Yakari et Petit Tonnerre. Maintenant, d'apporter la preuve aux hommes de la tribu. Seuls ceux qui ont accompli un exploit reconnu de tous ont le droit de porter une plume d'aigle. Quand je pense qu'un jour elle sera à moi, aujourd'hui je monterai Petit Tonnerre. Je ne reconnais plus rien. Il fait trop sombre maintenant. Demain, quand il fera clair, je retrouverai mon chemin. En attendant, je dois essayer de dormir. Sur moi.
dirait que ça vient de là-dessous. Oh. Encore toi? Jusqu'à maintenant, ça m'a pas porté chance de t'aider. En même temps, je ne peux tout de même pas te laisser là. Tiens bon, petit monstre. On y est presque. Chose? Oublié? Ton poney. Allez, grimpe. C'est vrai, je peux. Ça fait suffisamment longtemps que tu attends ce moment. Il y a quelque temps, tu m'as sauvé la vie. Aujourd'hui, j'ai sauvé la tienne. On peut plus se séparer maintenant. Monte, je te dis. Yahoo! Oui! Promets-moi de ne jamais me monter avec une corde dans la bouche. J'aime trop ma liberté. Je te le promets. Tu n'auras qu'à simplement me dire où tu as envie d'aller. Alors, au campement. Youha!
petit tonnerre se laisse monter par un humain? Laisse-les dire. Ils ne savent pas encore ce que c'est que l'amitié. Yakari, enfin! J'ai eu tellement peur. Il y a eu un terrible incendie. Arc-en-ciel, je te présente Petit Tonnerre. Il est beau, hein? Tu avais raison, Yakari. C'est le plus beau poney que j'ai jamais vu. Oh, c'est Yakari! Yakari et Petit Tonnerre. Ça, alors, comment a-t-il réussi à le monter? Je sais que tu as été très courageux, Yakari. Arc-en-ciel nous a tout raconté. Tu l'as sauvé des griffes du puma, tu as échappé à cet incendie et maintenant, tu reviens dans la tribu montée sur Petit Tonnerre. Ce n'est pas un exploit que tu viens d'accomplir, mais trois. Je suis fier de toi. Merci, père. Elle te va bien, cette plume, Yakari. Mais plus que tout ça, je suis tellement heureux de te revoir.